Bonjour mesdames, je suis Karine, thérapeute énergétique pour femmes. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation sur l'harmonisation des chakras par la couleur. Ce voyage nous conduira vers un état profond de bien-être et de détente, dans lequel nous pourrons recharger et harmoniser nos centres énergétiques par les couleurs, puis purifier tous les niveaux de l'être. Je vais vous demander de vous préparer à vivre une détente, à vous allonger dans un endroit tranquille, sans bruit. Je vais vous demander de fermer vos yeux, de relâcher bien tout votre visage, de desserrer vos mâchoires et vos dents. Essayez de bien relâcher tout votre corps. Vous allez maintenant amener votre pensée vers votre souffle. Prenez conscience de votre respiration. Chaque inspiration et chaque expiration. Voilà, c'est cela. Suivez bien le mouvement de votre souffle par la pensée. Tandis que vous inspirez et que vous expirez consciemment, accueillez une énergie de tranquillité, une énergie de détente. À chaque inspire, vous attirez cette énergie de détente et de tranquillité. À chaque expire, vous diffusez cette tranquillité, cette détente dans tout votre corps et dans votre esprit. Voilà, c'est cela. Et bien sûr, à chaque expiration, la détente s'approfondit et votre corps commence à se relaxer, se relâcher de plus en plus profondément. Laissez votre corps se détendre toujours un peu plus à chaque expiration. Vous allez à présent revenir vers une respiration normale. Et nous allons essayer de relaxer ce corps encore plus profondément. Pour cela, vous allez simplement placer votre pensée dans les parties du corps que je vais nommer. Tout d'abord, vous prenez conscience de votre main droite. La main droite, la position de votre main. Puis, vous prenez conscience de votre poignet droit, de l'avant-bras, du coude droit, du haut du bras, de l'épaule. Conscience de tout votre bras droit. Relâchez, relaxez. Sentez, ressentez votre bras droit parfaitement détendu, lourd, de plus en plus lourd. Vous amenez maintenant votre respiration au niveau de votre main gauche. La main gauche, prenez conscience de la position de votre main gauche. Laissez la détente s'installer dans votre main gauche, puis montez vers le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule. Et vous prenez conscience de tout votre bras gauche, bien relâché, relaxé. Sentez, ressentez votre bras gauche parfaitement détendu, lourd, de plus en plus lourd. Prenez conscience à présent de vos trapèzes, de vos omoplates, de tout votre dos. Sentez le contact de votre dos avec le support sur lequel vous êtes allongé. Prenez conscience de votre colonne vertébrale et de vos reins. Prenez conscience de tout votre dos. Et vous laissez tous les muscles de votre dos se relâcher, se relaxer en profondeur. Sentez, ressentez tout votre dos parfaitement détendu, lourd, de plus en plus lourd. Puis vous prenez conscience maintenant de vos fessiers, de l'arrière des cuisses, de l'arrière des genoux, des mollets, des talons, du dessus de vos pieds, de tous les orteils de vos pieds, du dessus du pied, des chevilles, des tibias, des genoux, du dessus des cuisses, des hanches, du pli de laine de chaque côté. Conscience de vos deux jambes bien relâchées et relaxées. Sentez, ressentez vos deux jambes parfaitement détendues, lourdes, très lourdes. Vos jambes sont de plus en plus lourdes. Portez votre attention vers votre zone du bas-ventre, votre ventre. Imaginez tous les organes à l'intérieur de votre ventre qui se relâchent en profondeur. Puis vous prenez conscience de votre thorax, de vos poumons à l'intérieur de votre thorax, de votre cœur au centre de votre poitrine. Laissez la détente s'installer dans toute votre poitrine en profondeur. À présent, prenez conscience de votre nuque, de l'arrière de votre tête, du sommet du crâne, de votre front. Défroncez bien vos sourcils. Laissez vos yeux tomber profondément dans les orbites. Laissez les petites crispations,
musculaires des joues se relâcher. Détendez bien les lèvres, les mâchoires, déglutissez pour détendre la gorge. Sentez, ressentez toute votre tête parfaitement détendue, lourde, très lourde, lourde comme une boule de plomb qui s'enfonce dans un oreiller de plumes. Prenez conscience de tout votre corps dans sa totalité, dans son unité. Votre corps est bien relâché. Sentez, ressentez tout votre corps parfaitement détendu, lourd, très lourd, de plus en plus lourd. Maintenant, amenez votre conscience au niveau de la zone du bas du ventre et du périnée. Vous allez respirer tranquillement juste au niveau de ce centre énergétique, au niveau de ce chakra. Placez votre pensée, votre respiration au niveau du périnée. Respirez consciemment à ce niveau du corps. Ce centre énergétique correspond au chakra racine qui nous relie à la terre, à la survie. Il est un lieu de la reproduction, de nos instincts, de nos passions et de tout ce qui nous relie à la vie. Vous allez imaginer là, juste au niveau de votre périnée, une boule de lumière rouge. Imaginez-la, inventez-le par la pensée. Une petite boule de lumière rouge. Et vous accueillez l'énergie de la couleur rouge. Laissez le rouge se répandre dans tout votre corps. Faites l'expérience de la couleur rouge. Pensez à un champ de coquelicots en été. Relâchez bien votre corps. Détendez-vous complètement avec cette couleur rouge. Imaginez un panier de très belles fraises bien rouges posées sur une table. Amenez votre pensée maintenant au niveau de votre ventre, juste au-dessous de notre nombril. Vous ressentez au niveau de ce deuxième chakra chaque inspiration, chaque expiration. Vous faites cela pendant quelques instants. Respirez profondément au niveau du chakra, juste en dessous du nombril. Ce centre énergétique nous relie à la couleur orange, à l'élément eau. Imaginez une petite boule de lumière orange juste au niveau de votre ventre. Laissez cette couleur orange se diffuser dans tout votre corps. Faites l'expérience de la couleur orange. Ce chakra est le lieu de l'inconscient. Il est relié à ce qui nous dépasse au niveau transgénérationnel, à tout ce que nous portons inconsciemment et qui appartient à nos ancêtres. Laissez la couleur orange se répandre dans tout notre système énergétique et désirez uniquement ce qui est bon pour vous avec cette couleur orange. Pensez à un coucher de soleil sur la mer et laissez la douceur de cette couleur orange vous remplir entièrement. À présent, dirigez votre pensée vers votre plexus solaire, vers le chakra solaire. Vous allez respirer à ce niveau de votre corps, chaque inspiration, chaque expiration. Voilà, c'est cela. Respirez profondément au niveau du chakra solaire. C'est le lieu de l'élément feu, le centre du moi, de l'ego. C'est le lieu de la personnalité et de votre rayonnement personnel. Imaginez juste là, au niveau du plexus solaire, une petite boule de lumière jaune. Un jaune étincelant rayonnant et laissez cette couleur jaune couler dans votre système énergétique, dans tout votre corps. Faites l'expérience de la couleur jaune, de la lumière avec cette couleur jaune. Pensez à un champ de tournesol en été. Accueillez cette couleur jaune rayonnante et laissez votre esprit se calmer. Laissez votre esprit se tranquilliser avec cette couleur jaune. Maintenant, amenez votre pensée au niveau du chakra cardiaque, au centre de votre poitrine, le chakra du cœur. Respirez consciemment au niveau de votre chakra du cœur. Chaque inspire et chaque expire. Prenez quelques instants pour bien régénérer ce centre énergétique avec votre respiration. Ce centre énergétique est relié à l'élément air. C'est le centre de l'amour inconditionnel, du don de soi. C'est le lieu de la compassion et de l'ouverture aux autres. Imaginez là, juste au niveau de votre cœur, une petite boule de lumière verte, d'un vert étincelant, rayonnant. Laissez la couleur verte dans tout votre corps.
accueillez l'énergie de la couleur verte. Faites l'expérience de la couleur verte. Imaginez une prairie verdoyante au printemps. Pensez au feuillage lumineux des arbres d'une forêt en été. Laissez l'amour vous pénétrer complètement avec cette couleur verte. Vous déplacez maintenant votre pensée vers votre gorge, le chakra de la gorge. Inspirez et expirez profondément au niveau de votre chakra. Pendant quelques instants, imaginez un petit tube qui traverse votre gorge de part en part. Et sentez-le à l'inspire et à l'expire, l'air qui pénètre dans ce petit tube imaginaire. De la gorge jusqu'au cervical, elle expire. L'air qui revient jusqu'à la gorge. Le chakra de la gorge est relié à l'élément éther. C'est le centre de la communication et de l'expression de la parole qui crée le monde. Imaginez là, au niveau de la gorge, une petite boule de lumière bleu pâle. Laissez cette couleur bleu clair pénétrer dans tout votre corps. Faites l'expérience de cette couleur bleu clair. Pensez à un ciel sans nuages, à l'infini d'un ciel sans nuages. C'est le lieu où les limites s'effacent. La paix va vous envahir. Pensez au mot « sérénité » avec cette couleur bleu clair. Vous commencez à vous sentir relié à quelque chose de plus grand que vous et qui vous dépasse avec cette couleur bleu ciel. À présent, amenez votre pensée au niveau du troisième œil. C'est le point situé juste entre vos deux sourcils. Placez votre pensée sur le lieu du troisième œil. Inspirez et expirez en ce lieu. Expirez intensément au niveau du troisième œil. Imaginez un petit tube qui traverse votre tête au niveau du troisième œil entre vos deux sourcils jusqu'à l'arrière de votre crâne. Et laissez le souffle circuler librement dans ce petit tube imaginaire. À l'inspiration du troisième œil vers l'arrière du crâne et à l'expiration de l'arrière du crâne vers le troisième œil. Voilà, c'est cela. Respirez profondément dans ce centre énergétique. À l'inspiration du troisième œil vers l'arrière du crâne et à l'expiration de l'arrière du crâne vers le troisième œil. On appelle le chakra du troisième œil car il est le lieu de la conscience, de la clairvoyance, de l'intuition et des perceptions directes au-delà du langage et des mots. Imaginez là, juste entre vos yeux, une petite boule de lumière violette, la couleur violette. Laissez cette couleur violette se répandre dans toute votre tête et dans votre corps. Accueillez l'énergie de la couleur violette. Faites l'expérience de la couleur violette. Pensez à une nuit remplie d'étoiles. Et découvrez la vraie source de votre être. Soyez en harmonie avec vous-même, avec le monde, grâce à cette couleur violette. Amenez maintenant votre pensée vers le sommet de votre crâne, vers le chakra de la couronne. Placez votre respiration au niveau de votre corps, du chakra couronne, au-dessus de votre tête. Respirez profondément au niveau du sommet de votre tête, à chaque inspiration et à chaque expiration. Prenez bien conscience du sommet de votre tête. Ce chakra de la couronne est le lieu de la supraconscience. C'est le lieu de ce qui vous ouvre et ce qui vous dépasse. C'est à partir de ce centre que vous pouvez être relié à quelque chose de plus grand. Imaginez là, juste au sommet de votre tête, une petite boule de lumière blanche. Laissez cette couleur de lumière blanche remplir toute votre tête et tout votre corps. Laissez la couleur blanche vous pénétrer complètement. Pensez à une montagne en hiver avec un grand tapis de neige immaculé qui scintille sous la caresse des rayons du soleil. Laissez votre corps faire l'expérience de la couleur blanche. Laissez votre système énergétique se purifier entièrement avec cette couleur blanche. Vous êtes au plus profond de votre être. Vous êtes dans vos niveaux mentaux les plus intérieurs. Et vous pouvez les utiliser à n'importe quelle fin, à condition que cela soit juste et que vous le désirez sincèrement. Imaginez que cette lumière blanche juste là, au-dessus de votre tête, devient de plus en plus grosse. Une très grosse boule de lumière blanche. De cette grosse boule de lumière blanche descend maintenant
un faisceau de lumière blanche qui se répand tout autour de vous, purifiant tous vos auras et emmenant une protection autour de votre corps. Laissez cette lumière de couleur autour de vous. Laissez-la couler et former un cocon de lumière blanche qui vous enveloppe totalement. Ce cocon de lumière vous protège et vous libère de toute négativité, afin que seul arrive ce qui est bon pour vous. Vous êtes à présent tout auréolé de cette lumière blanche, parfaitement nettoyée, purifiée, à tous les niveaux de votre corps et de votre esprit. Vous allez maintenant revenir. Vous allez revenir vers un système énergétique entièrement régénéré et réunifié pour vous aider à revenir vers un état de conscience normale. Je vais décompter de 7 à 1. Vous allez retraverser tous les centres énergétiques jusqu'au chakra racine afin de bien revenir dans vos ancrages et dans la dimension matérielle. 7. Blanc, vous quittez le chakra de la couronne et l'ouverture de la supraconscience. 6. Violet, vous traversez le chakra du troisième œil, lieu de la conscience. 5. Bleu clair, le chakra de la gorge et de la communication. 4. Vert, le chakra du cœur et de l'harmonie inconditionnelle. 3. Jaune, le centre du plexus solaire et du rayonnement personnel. 2. Orange, chakra des forces inconscientes. 1. Rouge, centre de votre ancrage de la terre, lieu de la vie et des plaisirs terrestres. Tout doucement, vous allez maintenant reprendre conscience de tout votre corps dans sa totalité. De votre corps allongé là, sur le support sur lequel vous êtes posé depuis tout à l'heure. Reprenez tout doucement conscience de la position de votre corps. Conscience de vos mains, de vos bras, de vos pieds, de vos jambes. Conscience de votre dos, de tout votre corps. Doucement et très progressivement, vous ramenez votre conscience à la surface. Vous revenez. Vous allez pouvoir commencer à bouger tout doucement les doigts des mains, les orteils. Mais prenez votre temps, ne revenez pas trop vite. Autorisez-vous à revenir dans le respect de votre corps, dans le respect de votre rythme, sans vous brusquer. C'est seulement lorsque votre corps sera prêt que vous pourrez bouger un peu plus. Vous étirez un peu plus, mais prenez votre temps, revenez à votre rythme, en prenant soin de vous, dans le respect de vous-même. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.